un parti centriste pour animer désormais l'arène politique béninoise. Le Parti social libéral, PSL, naît avec des ambitions plutôt claires. Le PSL ambitionne de fonder un édifice d'envergure nationale. Une organisation bien structurée, dynamique et ouverte pour servir de force motrice sur l'échiquier national. Loin d'être un parti de plus, le PSL, au dire de ses géniteurs, veut s'inscrire dans une dynamique centriste. Les sociaux-libéraux veulent promouvoir des valeurs connues au Dahomey d'alors. C'est la droiture, c'est un peu copié sur tout ce qui avait caractérisé les Dahomey sous la colonisation. On nous connaissait pour notre droiture, on nous connaissait pour notre efficacité, on nous connaissait pour notre probité, notre grandeur. C'est ça, cette incarnation-là que nous voulons relancer. Le Parti social libéral, un parti centriste, mais plutôt avec des inclinaisons de droite. Nous avons nos pensées à gauche, mais notre cœur c'est à droite. Parce que nous sommes pour le capital. Nous sommes pour une économie prospère. Nous sommes pour la sacralisation de l'entreprise, de l'initiative privée. Nous sommes pour que des gens qui sont dans un pays qui partage plus de 700 km de frontière avec le Nigeria, première puissance économique sur le continent, première puissance industrielle sur le continent, puissent recouvrer leur capacité, leur aptitude pour se remettre à la tâche. Nous sommes capables de transformer ce pays en une Suisse. Religieux, panafricanistes et hommes politiques ont témoigné leur sympathie au PSL. Les sociaux-libéraux, centristes, mais des alignés au nouveau départ.